Depuis l'invention du cinéma, les artistes ont consacré une multitude de films sur les guerres et sur les hommes qui la font. Comment expliquer dès lors le succès du genre? Pourquoi les cinéastes se sont emparés de ce sujet? Comment le cinéma contribue à l'esprit de défense, à la mémoire? Comment peut-il, aussi à l'inverse, tourner en ridicule l'institution et les militaires? À l'occasion des 50 ans de la sortie en salle du film La 317e section, le Journal de la Défense explore les relations entre le cinéma et les armées. Souvent représenté comme un héros des temps modernes, le militaire a aussi endossé l'habit du personnage comique, du lâche, voire du traître. Depuis près de 100 ans, l'image du militaire a ainsi évolué en fonction des époques et des cultures. On ne peut évidemment pas faire la même histoire du cinéma de guerre aux États-Unis quand on parle de cinéma américain et l'histoire du cinéma de guerre français. La France a vécu des invasions, a vécu des occupations de son sol qui se sont accompagnées forcément d'arrangements avec l'occupant. Et je ne parle pas que de la Seconde Guerre mondiale. Quand vous vivez dans un pays où la zone a été occupée, il y a des choses qui sont difficiles à décrire après. Or la guerre, la décrire de façon exaltante quand vous avez été battu, quand vous avez été occupé, quand une partie de la population a été forcée ou non à collaborer, c'est très compliqué ensuite à le raconter, et c'est d'autant plus compliqué qu'on n'a plus envie de revivre ça. Donc on est dans une phase, d'une certaine manière, pacifiste. On sait que les trois armées aux États-Unis se disputent pour avoir le maximum de films qui mettent en avant leurs bateaux, leurs avions, leurs fusils, leurs hommes. Les bureaux qui sont consacrés à ce soutien au cinéma et même à provoquer la réalisation de films sur les conflits sont beaucoup plus conséquents aux États-Unis. Donc ça joue évidemment également dans la manière dont on montre... dont on montre ces guerres. Le patriotisme en France n'a pas la même valeur qu'aux États-Unis. On est complexé par rapport à ça. Donc pendant des années, si on commençait à montrer la guerre dans cet axe-là, on était taxé de nationalisme, de promotion de la force, de la violence, de la haine de son voisin, fût-il allemand et nazi. Et donc on s'en est un peu sorti en faisant des films un peu potages, comme La 7e Compagnie ou Papy fait de la Résistance, ou alors une exaltation non pas du militaire, mais du résistant, et plutôt du résistant civil, avec La Combe Lucien, le Vieux Fusil, L'Armée des Ombres, un certain nombre de films, souvent très très bons, mais qui exaltent plus le civil résistant. Jusqu'en 1945, on met en scène des héros qui sont des héros militaires, des héros combattants, des héros qui portent l'uniforme. Et puis à partir de 1945, on a un cinéma de guerre qui évolue parce que le militaire perd de son aura. Et donc on a à partir de 1945 un cinéma qui se moque gentiment de ceux qui portent l'uniforme. Alors l'exemple est un peu trivial, mais La 7e Compagnie en est un exemple. Les héros sont des civils et très peu des militaires. Et quand on a des militaires, c'est vrai qu'à partir de la guerre d'Algérie en particulier, ce sont moins des héros que des personnages à dimension tragique, voire parfois des personnages carrément sinistres et tout à fait répréhensibles. Vous avez des films qui sont très valorisants, ou en tout cas que nous on trouve très valorisants parce qu'on s'y retrouve, parce qu'on trouve les histoires vraisemblables, bien filmées, et surtout avec des relations telles que nous les vivons au quotidien, en opération ou bien en métropole. Et puis il y a d'autres films qui sont toujours mettent en cause des militaires, mais dans lesquels on ne se retrouve pas, parce qu'effectivement, ils véhiculent des vieux clichés. Bon, je pense à La 7e Compagnie, qui peut être très apprécié, parce qu'il y a le côté franchouilleur, et puis le côté un petit peu bon enfant. Souris, tu gagnes la guerre, nom de Dieu. Oui, chef, oui, chef. Voilà, donc on se retrouve plus, alors, pour rire, dans La 7e Compagnie, mais dans ce que nous sommes, nous, dans notre institution, on se retrouve plus dans des films, même modernes, qu'on peut avoir sur les écrans. Il y a un peu les deux. On a cette représentation du militaire qui, en France, reste assez complexe, et on a du mal à reconnaître le militaire comme quelqu'un faisant bien son devoir, très simplement. Et on aimerait bien, de temps en temps, en tant que Français, avoir des films peut-être un peu plus patriotiques, ou un peu plus, sans être hollywoodien, mais américain, dans le sens la France, le devoir, l'histoire et la cohésion. On critique toujours, à juste raison, le cinéma français qui a du mal avec ses conflits, mais les États-Unis, avec leurs propres conflits, qui sont la guerre d'indépendance et la guerre de sécession, ils ont aussi beaucoup de mal à le montrer. L'Amérique, hormis Pearl Harbor et le 11 septembre 2001, n'a jamais vécu
la guerre sur son sol et encore moins d'invasion. Donc la douleur de l'invasion, l'humiliation que ça représente physique et morale, les États-Unis ne la connaissent pas. Donc ils sont complètement décomplexés pour raconter la guerre, y compris au Vietnam. Nous, on a un problème aussi avec la guerre d'Algérie, c'est que l'Algérie, quand on fait la guerre là-bas, c'est la France. Donc ils ont pas le problème moral qui se pose à la France pour parler de la guerre d'Algérie, de la guerre d'Indochine, ou la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, qui sont des guerres où le territoire a été occupé, pillé, avec des règlements de compte ensuite. Donc ça, c'est difficile à montrer, et c'est difficile de sortir là-dedans la figure du soldat, ou du sous-officier, ou de l'officier. Je pense que l'armée française doit aussi pousser à accompagner des réalisateurs, à ne pas avoir peur de certains réalisateurs pour faire ce genre de film. Alors c'est un sous-marin, ça n'a pas l'air comme ça, mais apparemment, si j'ai bien compris le script, c'est un sous-marin. Voilà. Ouais, c'est vrai. Le ministère de la Défense n'est pas passif et attentiste face à la demande en fait, des cinéastes qui ont besoin d'avoir soit des spécialistes, soit des infrastructures, soit des matériels de défense. Et donc on s'est mis en ordre de bataille pour pouvoir répondre à ce besoin et apporter aussi une expertise. C'est-à-dire que en fait, nous mettons à disposition des conseillers scientifiques, des conseillers historiens qui à ce moment-là peuvent assister un réalisateur pour le conseiller sur des tenues, sur des uniformes, sur des faits. Nous mettons à disposition des matériels, donc des matériels modernes ou anciens. Et donc on a créé une structure qui permette de mettre à disposition tous ces équipements, ces personnels. Voilà, on s'est mis en ordre de bataille pour ça. Et effectivement, ça fonctionne bien et ça répond à un besoin. Je pense que des réalisateurs, on en a, des producteurs, on en a, mais c'est les scénaristes qui sont capables de prendre un conflit dans lequel la France est engagée aujourd'hui et d'en tirer une histoire qui ne soit pas une histoire purement militaire, mais qui ne soit pas non plus un plaquage de convictions antimilitaristes ou très critiques. Et il manque le scénariste qui, justement, mixera ça, c'est à la fois trouvera une histoire pour ne pas que ce soit qu'un film à la gloire de l'armée française, ou au contraire pour montrer les travers de la guerre qu'on a déjà vu 150 fois. L'année 2015 marque le centenaire de la création du cinéma des armées. Aujourd'hui, le CPAD fait perdurer au sein des armées la tradition de l'image. Les cinéastes de l'ECPAD ont une longue tradition et une grande histoire derrière eux. On parle de Schindler, mais il n'est pas le seul. On doit absolument maintenant, de nos jours, encore continuer à raconter les histoires. Et nos cinéastes, militaires ou civils, doivent avoir l'occasion d'aller sur les théâtres pour pouvoir filmer les gens, être insérés dans les unités, et puis en même temps pouvoir ensuite raconter le film de l'Afghanistan, du Mali, ou des crises, ou du Kosovo, etc. Rappelez-vous de ces cinéastes de 45 à 54 ? Rappelez-vous de ces images qui ont fait notre cinéma français. Rappelez-vous de ce livre de philosophie, de regard ouvert comme ça sur la nature humaine. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites dans les conflits, dans les théâtres de paras-opérations qui se passent là au Mali, qui se passent dans tous les théâtres où finalement les gens sont à poil complètement, ils sont face à eux-mêmes, face aux autres, dans des risques majeurs. Il faut témoigner de ça, il faut aller les voir. Le CPAD, c'est pas simplement la remise, l'ouverture du pont, comme ce soit dans les caractères tout à fait officiels de la 4e République. Non, c'est une République vivante. Et les soldats sont ceux qui vont témoigner, sont ceux qui vont faire comprendre ce que la France fait. Qu'est-ce que ça veut dire, la France? C'est pas des mots, c'est pas dans un livre. C'est les gens qui se risquent, c'est les gens qui portent cet uniforme, qui portent ce drapeau. Malgré tout, leur image, ils aimeraient bien qu'elle soit portée à l'opinion du plus grand nombre, du citoyen. Je ne suis pas sûr qu'elle le soit. Parce qu'on a cantonné le cinéma dans des bureaux. Je pense qu'on a suffisamment de talent en France pour compléter un petit peu le travail de l'ECPAD avec des gens qui seraient prêts à se lancer dans des fictions ou dans des reportages qui mettent en scène un petit peu les militaires français et étrangers dans les crises actuelles. Et d'ailleurs, nous, à ce niveau-là, au ministère de la Défense, on peut les aider avec notre bureau de tournage et on les incite effectivement à voir ce qui se passe sur place. Moi, je serais heureux de revoir des nouveaux films d'un nouveau Schindler. Voilà. Alors, aussi bien fait, je ne sais pas, mais en tout cas, la barre est très haute. Aujourd'hui, je crois qu'il a un héritier qui est Florent Emilio Seri, qu'il admirait beaucoup, qui a fait ce film qui s'appelle L'ennemi intime sur la guerre d'Algérie, qui est un des films les plus justes, à mon sens, sur la guerre d'Algérie, débarrassé justement d'un discours idéologique, qui essaye d'être au plus près de l'humanité des gens qui font la guerre, qu'ils soient des salopards ou des héros. Et c'était vraiment ce que Pierre Schindler voulait faire ressentir dans ses films, c'est que ceux qui font la guerre ne sont ni noirs ni blancs, ils se trouvent confrontés à quelque chose qui les dépasse, ils réagissent comme ils peuvent, avec ce qu'ils ont vécu avant, avec les gens qui sont
autour d'eux. Le cinéma est fait pour porter. Les gens devraient dire, oh, j'espère, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, j'espère être pris au cinéma, à l'ECPAD, j'espère. Moi non, ça fait partie d'une institution comme une autre. Donc, pardon de le dire, mais il faut que l'état-major, sur le plan de l'image de l'expression, regarde, regarde mieux. Et quand s'il n'y a pas grand-chose à regarder, c'est parce qu'ils sont en partie responsables. C'est le général de Lattes qui disait « frapper l'ennemi, c'est bien, frapper l'imagination, c'est mieux ». Et ça, c'est une valeur qui passe effectivement par le cinéma, par la télévision. Et il y a une méfiance parfois de l'armée, et parfois justifiée, pour ce milieu du 7e art qui n'a jamais montré beaucoup de bienveillance à son égard, à l'exception de quelques cinéastes qu'on a évoqués, comme Pierre Schoendoerffer, qui fait qu'il y a cette dichotomie qui est effectivement problématique, parce que les jeunes gens aujourd'hui voient de la guerre ce que leur montre la télévision ou ce que leur montre le cinéma américain, qui est faussé parce avec cette débauche de moyens qui ne montre pas effectivement notamment les rapports humains qu'il peut y avoir. Pierre a eu la chance. Il a eu la chance, il a su saisir cette chance. Il a su la partager avec Coutard, Garceneau, Liron. Et ses camarades, quelque temps après, ils se retrouvaient opérateurs, faisaient des films de la nouvelle vague, avec Godard, avec Chabrol, avec tout ce qu'on peut, avec tous les cinéastes, Jacques Demy. Et donc ces gens-là qui ont fait le cinéma français, et dont aujourd'hui notre expression, elle n'est que l'héritage de ce qu'ils ont apporté. Tout ça, c'est une histoire de CPA. Tout ça, c'est une histoire du cinéma aux armées. Il y avait quelque chose d'émouvant. Il y avait un partage. Vous savez, cette école de l'âme humaine qu'il faut reprendre, le cinéma, l'image qui va témoigner, l'image des archives. Il faut fabriquer les archives d'aujourd'hui pour que demain, on puisse voir qu'est-ce que nous étions et que faisions-nous par rapport à la planète.